En fait, c'est l'enfer. Je le dis parce que généralement, je ne le fais jamais alors que je suis allée en moyenne à 2 ou 3 crises de nerfs par semaine, ce qui est tout à fait raisonnable, je trouve. Je vais pas hurler, je vais faire peur à tout le monde à la maison. Je me mets ici parce que j'ai la Reine des Neiges, ça me calme. Je sais pas chez vous, je sais pas comment vous faites. Parce qu'il est 20h15, précisément, là, tout de suite. Je ne viens d'envoyer mes enfants sous la douche que maintenant. Nous n'avons pas mangé. Voilà, il y a école demain, je précise. Nous sommes jeudi soir. Et c'est l'enfer. Le truc, c'est que je prends jamais la peine d'envoyer un petit message. De partager les moments où en fait c'est chaud. Et c'est chaud quasiment tout le temps. Et ça m'embête de parfois vous faire croire que tout va toujours bien. Parce que ça ne va pas toujours bien. Et que mes enfants m'épuisent. Et voilà. C'était juste pour vous dire que non, je ne gère pas. Je ne gère pas à fond et bien tous les jours. Ce message est beaucoup trop long, mais je voulais vous apporter tout mon soutien. Faut dire que je pense souvent aux autres, à mes copines, à ceux que je connais, mais aussi aux messages que je reçois qui me disent « Merci, ça fait du bien, tu gères, comment tu fais, etc. » Non. Pas forcément. J'essaie de faire au mieux, mais je ne gère pas tout correctement. Quand je gère bien mon boulot, je gère moins bien chez moi. Et quand je gère bien mes enfants et ma maison, là, par exemple, j'ai... 20 mails en retard, j'ai 12 appels, et je gère pas bien le boulot. Donc voilà, on fait comme on peut juste. C'était un petit message comme ça, du soir. Et je pense aussi que c'est parce que j'ai besoin aussi de partage et de réconfort. Voilà, je rigole, mais je vous embrasse fort.